Et dans quelques instants, donc, le départ de cette première course de la soirée, deuxième manche du championnat WEC, c'est parti! Voilà, attention, on est déjà à deux, voire trois de front dans la ligne droite, là c'est déjà très très chaud. Oh, attention, derrière, ça sortait un petit poil large. Et du coup, on a le Rapace 69 en tête, deuxième position pour Lion H, troisième position... On retrouve Ever pour l'instant. On va peut-être aller voir justement dans le peloton ce qui se passe, puisque devant ça a l'air d'être calme pour notre ami Rapace et pour également Lion H. Oh là là, attention, là les deux Audi en bagarre, celle de Ever et celle de Droudrou. Droudrou aussi qui arrive à l'intérieur, attention, c'est pas mal peut-être ce qui va tenter là. Et accrochage, léger accrochage avec Ever, mais ça va, ça c'est bien pour passer entre les deux hommes. Et là, ça bagarre entre les R18 de Ever et de AXD. Et oui, Alex dit hein, Rapace gagne, il ferait un peu le sweep quelque part durant ce week-end. Et on salue également Romain qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, mais qui est quand même là sur le live pour soutenir ses camarades pilotes. Et Ever qui s'est loupé, du coup AXD qui repasse devant pour le gain de la quatrième position. Et Droudrou qui est là avec sa Nissan GTR LM Nismo, qui fait sa première apparition dans ce championnat, puisqu'on rappelle c'est la voiture gratuite de ce mois sur Forza 6. Sinon le classement il n'a pas beaucoup changé, puisqu'on a le Rapace 69 en tête avec sa Peugeot 908, une deuxième Peugeot 908, celle de Lion H est deuxième. Troisième position on retrouve Narcos 85, mais qui justement est en train de dépasser Lion H, on va peut-être aller le retrouver. Et il est passé justement Narcos, deuxième position pour lui, donc désormais avec son Audi R8, ancienne génération on va dire de prototype. Hein, quelque part ça peut être ça. Oh là là, la glissade à la sortie là, mais ça va, ça se passe bien pour l'instant. 31 tours à boucler hein, donc ça va être une course longue, l'une des courses les plus longues qu'on ait eu depuis le début de ces Benji TV Super Racing Weekends. Mais attention, parce que là Lion H tout de suite il est dans l'inspiration pour essayer de passer Narcos à l'issue du premier virage. Attention, et ça fait toucher, mais ça va, rien à signaler entre les deux. Du coup, Narcos a conservé sa deuxième place. Troisième, on retrouve donc Lion H. Quatrième, AXD, qui a un peu largué Ever, qu'on va aller voir. Il est un petit peu plus loin derrière. Oh, il sort un peu large, Ever, malheureusement. Et du coup, on retrouve Droudrou qui est passé devant avec sa Nissan GTR. Et Osra Energy, lui, est en septième position avec sa Peugeot 908 aux couleurs d'une célèbre marque qui assure, même sur la Côte d'Azur, comme le dirait l'autre. Et il sort un peu large, malheureusement, Osra. Attention, on va aller peut-être retrouver le milieu du peloton, et en l'occurrence, la nouvelle venue. Oh, Narcos qui s'est loupé, du coup, Droudrou qui a été percuté. Oh là là, et encore une touchette derrière avec Ever, malheureusement. Oh là là, on va aller voir du côté des dégâts s'il y en a. Eh oui, dégâts à l'avant gauche, malheureusement, pour Droudrou avec sa Nissan GTR. Ah là là, Narcos, on n'a pas bien vu ce qui s'est passé, on a vu la fin de l'action. Narcos s'en sort bien, lui, il n'a pas de dégâts. Oh, AXD, sortie de piste pour AXD! Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans ce début de course, dis donc! Et voilà, ça repart pendant ce temps pour AXD, heureusement, parce que il était très mal embarqué là du côté du carrousel du circuit de Road America. Droudrou 5ème, on va aller voir 6ème Ever s'il a des dégâts aussi sur sa voiture. Et oui, il est dégâts à l'avant gauche, donc il va devoir repasser par les stands, malheureusement. Oh là là, il tape le mur! Oh yo yo, méchant crash là! L'un des pires endroits pour sortir de la piste en plus. Oh là 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 là. Eh ben décidément, ce début de course qui est déjà assez chaud et animé. Alors que le Rapace 69, lui pendant ce temps, va toujours devant, tranquillement. Il est en train de faire un week-end parfait jusqu'à présent, mais est-ce que cela va durer? On ne sait pas, on verra. Il y a encore plus de 20. Il reste encore 28 tours à boucler, donc du coup, c'est encore long à être long également à se décider. Donc le Rapace 69 en tête, Lion H deuxième, on a deux Peugeot aux deux premières places, puis on retrouve une Audi d'ancienne génération, la Audi R8 de Narcos qui s'en est sorti, mais avec beaucoup de chance après le petit accident dans la section sinueuse. AXD est en quatrième position avec la première des Audi R18, et puis ensuite on va retrouver Droudrou, le voici avec sa Nissan GTR déjà contraint de repasser par les stands. Et Osra Energy qui du coup en profite pour passer à la cinquième position avec une autre Peugeot 908, celle aux couleurs Matmut. Voilà, j'ai cité la marque, désolé pour le placement de produit.
Et donc là voici cette GTR LM Nismo qui repart à l'instant. Il prend la piste. Une droudrou à son volant. Bien que cette voiture a une, avec architecture hein, c'est très particulière. Et on va retrouver Ever qui lui aussi est repassé par les stands suite à l'accident qu'il a eu dans ce tour numéro 2. Le rapace toujours devant. Mais une course tranquille alors qu'il y a déjà pas mal de pneus hein, qui ont été un petit peu bougés, on va dire, sur les bords de piste. Et pour l'instant ça va, rien de bien grave à signaler, on va dire, à part cette, ce petit incident avec Ever et également Droudrou et Narcos. Mais juste ici, rien de bien grave. Lion H toujours en deuxième position, Narcos troisième. On va peut-être aller le voir, Narcos, voir s'il peut remonter. Et oui, il a en ligne de mire Lion H, donc on va peut-être voir, il y aurait la possibilité d'une bagarre entre les deux hommes. Ça pourrait être intéressant à suivre cela. On va suivre en tout cas durant ces 200 km de Road America. AXD toujours 4ème, 5ème Ozra Energy, 6ème Droudrou, 7ème Ever Green Tax 06, ça ne change pas. Oh là, on va retrouver Ozra parce qu'apparemment il y a un petit souci pour lui. Oh là. Et Droudrou qui signale un panneau sur la piste au niveau de la portion en forêt, de la fin de la ligne droite de la portion en forêt. Effectivement quelques petits dégâts, on va dire, hein, un petit peu sur les bords de piste. Et Ozra Energy qui a perdu une place. Oh, le rapace qui sort, le leader sorti de piste dans le carrousel. Aïe aïe aïe, du coup ça va faire un resserrement, un regroupement derrière. Et là Lion H, attention, qui essaie de passer à l'intérieur. Les deux Peugeot 908 qui s'échangent leur place. Du coup c'est Lion H qui est en tête, lui qui fait sa première course dans cette catégorie. Et on va suivre cette bagarre parce qu'elle promet d'être intense là. Les trois premiers, les trois pilotes sur le podium pour l'instant, qui risquent de se donner une bagarre de tous les instants. Ils vont rien lâcher, ça c'est sûr. Et du haut niveau. Alors que pour l'instant, malheureusement, Droudrou a tapé apparemment à une autre portion du circuit. Oh, le passage en glisse et le rapace qui en profitait. Et oui, Lion H peut-être tiré un poil trop large, malheureusement. Et du coup ça a été bénéfique à le rapace mais également à Narcos. Mais attention à Narcos parce que il pourrait aussi tirer son épingle du jeu dans cette histoire. Et peut-être en profiter pour aller shipper la première place aussi. On rappelle à Narcos, héros malheureux hein, de la première manche au circuit des Amériques. Où il avait été victime d'une panne d'essence dans l'avant-dernier tour de la course malheureusement. Et du coup ce qui avait malheureusement ruiné sa belle course qu'il faisait. Et sa stratégie assez audacieuse ma foi. Le rapace toujours en tête, Narcos 85 deuxième, Lion H 3ème, 4ème AXD, 5ème Droudrou. Mais on va peut-être aller du côté de Lion H parce qu'il y a une bagarre entre les deux hommes, ça va se jouer sur ce virage-ci, au freinage. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ouais non, là il a une trajectoire favorable, Lion H. Et non, il a freiné. Ah, il a été fair play là. Il a été fair play, Lion H, de laisser passer Narcos. Il n'a pas trop résisté, il n'a pas mis en difficulté. C'est plutôt honnête de sa part d'avoir opté pour cette manœuvre-là. C'est lui tout à fait louable, bien évidemment. Dans la suite du peloton, on retrouve toujours AXD 4ème position pour lui. On va voir un petit peu où il se situe hein, par rapport aux autres pilotes. Ah ben, il est de l'autre côté du carrousel, donc il n'est pas si loin que ça. Il y a un petit écart certes, mais il n'est pas si loin de... des autres pilotes. Droudrou lui à la 5ème position et de l'autre côté du circuit. Voilà, commence le circuit lui, avec sa Nissan GTR LM Nismo. Avec la particularité d'être la seule traction avant de ce championnat. Oh là, pendant ce temps il envoie vraiment dingue les panneaux là. Moteur V6 également, le moteur de la GTR qui équipe cette... ce prototype à traction avant dont la technologie hybride lui permet, enfin en tout cas lui permettait, même si ça ne s'est pas vu vraiment au Mans, de passer en mode 4 roues motrices. Ce qui avait été malheureusement un échec pour Nissan, on l'a vu avec une course très difficile lors de cette édition 2015 des 24 heures du Mans d'ailleurs.
N'hésitez pas, bien évidemment, amis viewers et abonnés, à faire part de vos réactions en temps réel via le chat Twitch pour ceux qui suivent le live et pour ceux qui suivent le replay via les commentaires sous le player vidéo. Et également, vous pouvez réagir via les réseaux sociaux avec le hashtag BenjixTVSRWE, BenjixTVSRWE, le hashtag qui vous permet d'être en conversation avec les fans éventuels de ce championnat, de ces week-ends de course, même devrais-je dire, les différents championnats que l'on vous propose. Le top 3 ne bouge pas pour l'instant. 4ème place toujours pour Alidé Drodrou, 5ème Ever, 6ème et 7ème Ozra Energy qui décidément a du mal à se mettre en place, on va dire. Il est toujours en phase d'apprentissage, notre ami Ozra, mais bon, c'est en apprentissant qu'on devient meilleur, c'est ce qu'il faut se dire. Ce que je vous propose, amis viewers, c'est peut-être de s'embarquer à bord de la voiture de notre ami Narcos, de l'Audi R8, ancienne génération. Oh là, pardon, ce temps, on va aller voir XD qui apparemment aurait eu un petit souci. Il me semble avoir entendu que ça venait de lui le problème. Bah non, non, c'était pas lui. Okay. Oh là, sortie de piste là pour Ozra. Attention, il y a les leaders qui reviennent, ça va ne pas gêner, contrairement à ce qui s'était passé. Hier, on se rappelle, ce dernier avait malheureusement, et de manière involontaire, hein, provoqué l'accident avec Narcos. Par contre, Lion H, où est-il passé? Ah ben, il est un peu derrière. AXD, où il est? Il est également dans cette ligne droite, donc il y a un petit écart hein, qui s'est fait entre le deuxième et le troisième, ainsi qu'entre le troisième et le quatrième de ce championnat. Et avec les quelques couleurs des différentes nations, en tout cas France et Belgique, les nations de base qu'il y avait dans ce championnat, mais il ne faut pas oublier bien évidemment le Québec aussi, le Canada, de notre ami Ozra Energy, digne représentant de ce beau pays qu'est le Canada, la francophonie, l'international qui est présent ici dans ces courses. C'est Belgique TV, Super Racing Weekend. Alors que, oh là, Drodrou qui a l'air d'avoir un peu de mal avec sa GTR. Et oui, il a encore des dégâts à l'avant gauche. Ça a dû taper encore pour la Nissan GTR. Ouh là là, oui, oui, il a du mal là. Je pense que c'est direction les stands pour Drodrou là. Ça paraît inévitable. Et voilà, le voilà qui rentre au stand avec sa GTR. Elle aime Mizuno. Pour l'instant passe plus de temps au stand que sur la piste, mais bon, ça c'est peut-être le reflet de la réalité. Et pendant ce temps, du coup, Evergreen Tag 06, mine de rien, il est discret, mais il va passer pendant ce temps en 5ème position, ce qui est plutôt pas mal. Alors attention, Ozra. Attention, Ozra Energy qui a juste derrière lui à guider, ne pas gêner. Voilà, parfait. Parfaitement géré comme situation. Du coup, XD est toujours en 4ème position alors qu'on aborde déjà le 8ème tour sur les 31 que compte ce rendez-vous. Et Narcos 85 est passé en tête pendant ce temps. Et oui, on a loupé malheureusement le dépassement du leader. On allait un petit peu voir ce qui se passait pour les autres pilotes dans le peloton. Et du coup, on a loupé le dépassement de Narcos qui est donc le nouveau leader de cette course. Premier changement de leader qui a eu lieu. Parce que pour l'instant, on va dire que Rapace était assez bien présent. Donc apparemment il y a eu un accident, on va revenir peut-être derrière du côté d'Ozra Energy. On rappelle évidemment que si un pilote en a gêné un autre et que ça a provoqué un accident, ne pas tirer trop d'avantages. Bien évidemment. Enfin, le genre de mésententes qui peuvent arriver de temps en temps.
en course, mais bon, elle est encore longue, on est au 8ème tour sur 31, donc bon, ça peut encore. La situation peut encore évoluer, bien évidemment. Marcos 85, donc leader à l'issue de ce 8ème tour et qui prend déjà quelques longueurs d'avance hein, par rapport à Rapace. Alors, est-ce que Rapace pourrait être sur une stratégie d'un peu d'économie de carburant? Ça peut être envisageable en tout cas. On va aller un petit peu voir la consommation de d'usure même, devrais-je dire, des pneus. On est aux alentours des 20% à l'arrière, 30% à l'avant pour Marcos, donc c'est déjà bien entamé, on va dire. Pour Rapace, c'est constant, c'est 25 à l'avant, 25 à l'arrière, donc plutôt correct. Lion H en troisième position, bah lui c'est pour l'instant celui qui a le mieux géré ses pneumatiques dans les trois premiers. Parce qu'il est à 15% à l'avant et 20% à l'arrière. Ensuite en quatrième position, AFD qui lui a quasiment pas utilisé ses pneus à part l'avant droit qui est à 17%. Sinon les autres on est aux alentours des 15%, donc c'est très correct. Très bonne gestion pneumatique d'AXD. Cinquième position, Evergreen Tag 06, lui, il est déjà repassé par les stands, mais bon, usure des pneus, donc du coup, bon, plus qu'au correct pour l'instant. Drodro en sixième position, on peut pas juger non plus, puisqu'il est déjà repassé à deux reprises par les stands, tandis que Osra Energy, lui, est déjà à 25-26%. Après, c'est nombreux déboires qu'il a rencontrés depuis le début de cette course. Quand on passe dans un secteur où on voit qu'il y a effectivement énormément de pneus sur la piste. Alors attention, qu'il y a un pilote là qui va voir le leader revenir juste derrière lui. Et c'est Ever, j'ai l'impression, qui est en train de se faire recoller par Marcos, alors que AXD est passé en troisième position, Lion H qui s'est loupé. On va aller voir Lion H peut-être où il est. Ah, il repart, voilà, il s'est loupé visiblement au freinage à l'issue de la section en forêt. Du coup, donc, AXD qui prend la troisième position devant au bénéfice de l'erreur de Lion H. Quatrième donc, cinquième Ever, sixième Drodro, septième Osra Energy, le classement qui ne bouge pas pour l'instant, pas de problème mécanique, pas d'incident majeur dans la suite de cette course. Alors attention Ever, il y a le leader juste derrière toi, ne pas le gêner. Voilà, situation gérée convenablement. Oh attention, la sortie large de Marcos. On va voir un peu les données télémétriques puisque là, c'est plus une erreur hein, que voilà Marcos, voilà, il y a un panneau qui s'est bien envolé là. Donc, il aura fait tout le tour du circuit s'il continue comme ça ce panneau là. Et attention ici au freinage, ne pas se gêner, attention ne pas surconduire non plus. Ce dont est en train de faire Marcos visiblement, attention quand même à ne pas faire trop de folie. Rester sage sur la conduite. Une erreur peut très vite arriver. Ah, je pense sur la ligne droite, ça peut être plus facile à gérer. Oh, Narcos qui rentre déjà au stand. Plus de carburant pour Narcos, il doit déjà rentrer. Et du coup, le diesel qui a l'air de mieux payer. Et du coup, le Rapace 69 qui prend la tête. Et Ever qui va le laisser passer pour ne pas gêner sa course. Voilà, bien géré. Voilà, par contre, il se rabat de manière un peu sauvage là quand même, Rapace. Aurait quand même pu être un petit poil plus doucement. On va et donc le Rapace en tête. AXD du coup a récupéré la deuxième place. Le voici. Si on nous dit tout rouge. Troisième position du coup pour Narcos qui, il me semble, est ressorti des stands, voilà, à l'instant même.
Quatrième position, on retrouve Lion H qui est juste de derrière, pas très loin. Cinquième Ever, mais qui est un tour déjà. Droudrou en sixième position à l'heure actuelle. Yosra Energy, lui, oh là là, qui est encore en sortie de piste là. Il a l'air d'avoir beaucoup de mal, en tout cas. Oh là là, oh là là, oh la sortie! Oh la méchante sortie! Dans la ligne droite des stands en plus. Attention, il y a une voiture donc en difficulté dans la ligne droite. Et ça va, elle est repartie. On sera Energy qui du coup doit repasser par les stands, mais il est juste à côté, mais il ne peut pas rentrer. Il doit faire tout le tour avec ses dégâts. Ah là là, ça va être un tour très très difficile pour Ozra. Attention. Alors, le classement ne bouge toujours pas pour l'instant. Alors qu'on aborde déjà le 12e tour, hein, on a déjà fait un tiers de la course. Ça passe tout de même déjà très vite, j'espère que vous en profitez bien, amis viewers, n'hésitez pas. À faire part de vos commentaires, à réagir en live via le chat Twitch. Il est là pour ça. N'hésitez vraiment surtout pas. Alors que AXD est repasse par les stands un instant, puisque désormais on a Rapace en tête, donc deuxième Narcos et troisième Lion H. Donc on a bien effectivement AXD qui fait son premier arrêt ravitaillement. Ça repart pour Aizé. Ever, il est là. Une course sage et sereine pour l'instant. Drodro qui est à l'entrée du circuit. Et oh là là, Ozra qui sort encore malheureusement. Toujours en phase d'apprentissage. On va retrouver le leader ici actuel, le Rapace 69, qui pour l'instant fait une course assez solide, faut dire ce qui est. Course saine, sage et solide. Voilà, petite sortie large, on va peut-être regarder un petit peu l'état de ses pneus. Les pneus sont à 37%, donc ça va, c'est encore gérable. Pas, on n'ira pas faire non plus une dizaine de tours, hein, ça il faut être honnête. Mais pour l'instant, ça passe encore. Donc toujours leader, Marcos 85 deuxième, Lion H. On va peut-être aller voir aussi ce qu'il en est au niveau de la consommation de l'usure. Alors l'usure des pneus, on est, oui, on est sur du 30% à l'arrière et du 22-23 à l'avant. Donc ça va, franchement, la gestion des pneumatiques de Lion H est beaucoup plus favorable par rapport à ce que peut faire notre ami Rapace, qui lui a déjà bien entamé la consommation d'usure, même devrais-je dire plutôt, de ses pneumatiques. Alors que pendant ce temps dans les stands, il y a Ozra Energy qui repasse suite à l'accident qu'il a eu il y a un tour dans cette ligne droite, justement. Et on va saluer de nouveaux viewers qui sont là, enfin en l'occurrence pour ce soir. Ah, Ikritz, tout d'abord, salut à toi Ikritz. Ça fait plaisir que tu passes même quelques instants sur le live, ça fait plaisir. Et JB78 Monster Vettel que je remercie, qui me dit salut, tu fais un sacré bon boulot. Ben, merci à toi, franchement, ça fait plaisir d'avoir... un retour comme celui-là, d'autant plus que ce soir je commande tout seul, puisque mon habituel consultant Lulu a eu un empêchement de dernière minute, et bah, on essaye de gérer un petit peu tout ça tout seul, et bon, visiblement j'ai l'air de plutôt bien m'en sortir, et je vous remercie pour votre confiance, et pour votre présence en tout cas régulière, de plus en plus, à ces lives et à ces courses que j'ai le plaisir de commenter, que ce soit sur Project Cars, comme ce sera le cas en 2016 avec Project Cars PlayStation 4 que j'aurai le plaisir de commenter. Et puis bien évidemment Forza 6 qui continue encore et encore pour de très nombreuses semaines de course. On en est qu'à la quatrième sur les 22 au total. Donc vous inquiétez pas, vous allez être gâtés, amis viewers. Surtout que de grosses courses arrivent. Ici c'est une première grande course qu'on a ce soir, une première longue course, devrais-je dire,
Une longue course, je veux dire, de 200 km, c'est la plus longue qu'on ait eue depuis les débuts de Bendix TV Super Racing 15, où d'habitude on avait plutôt du 75 km, du 100 km, voire du 80 pour les V8 Supercars par exemple. Et bah ici on est à 200, donc une course un poil plus longue, mais bon après ce sont des prototypes d'endurance, donc allez comprendre par là que bien évidemment c'est un peu normal. Et Rapace qui est repassé par les stands pendant ce temps, puisque du coup, on a maintenant Narcos 85, leader avec son Audi R8, deuxième le Rapace 69, troisième Lion H, qui devrait peut-être passer par l'instant, si Rapace l'a fait. Et c'est le cas également, vous voyez, Lion H qui rentre. C'est pas pour les pneus, lui, c'est vraiment plus pour le carburant qu'il rentre, parce que la Peugeot 908 est au bout. Niveau carburant, elle fait 13 tours, cette Peugeot 908, sur le circuit de Road America. Et AXD qui, du coup, eh ben, prend la troisième position, récupère, vous devriez dire, même la troisième place. À l'issue de cette première salve de ravitaillement, on a toujours donc 4ème Lion H, 5ème position pour Evergreen Tag 06, 6ème place pour Bruno, 7ème place pour Audra Energy. Alors on va aller voir vite fait Drudrou, le voici dans la ligne droite qui va mettre un tour à son prédécesseur dans le classement, à savoir Audra Energy. On peut voir et profiter un peu de cette GTRLM Nismo qui fait son apparition sur Forza 6, alors qu'on aurait cru, et ça je vais vous dire vite fait, petite croyance personnelle, je croyais pas, je n'aurais jamais cru que cette voiture intégrerait Forza Motorsport, sachant l'accord qu'il y a, le grand rapprochement entre PlayStation et Gran Turismo, et Nissan même, devrais-je dire. Et bah, finalement, on retrouve quand même cette GTR dans Forza 6. C'est plutôt une bonne nouvelle, ne vous inquiétez pas. Il est prévu, d'ailleurs, dans le cours de la semaine prochaine, d'avoir des vidéos on-board où on testera les différentes voitures du pack DLC de ce mois de novembre sur Forza Motorsport 6, alors que pour l'instant, Narcos revient sur Evergreen Tag 06. Attention à ne pas se gêner. Et voir qu'il sort un petit peu large, mais bon, c'est pour laisser passer Narcos, donc pas de soucis. Et salut à Jojo2782 qui nous rejoint sur le live. Salut à toi, bonsoir. Hi. Je ne sais pas s'il est francophone ou non. Donc du coup, je me permets de le dire dans les différentes langues. Et pour l'instant, le classement qui ne bouge pas. En tête Narcos. Deuxième Rapace, mais qui n'est pas si loin que ça. On va peut-être essayer de garder un œil parce que là, il pourrait toujours y avoir une bagarre pour la deuxième position. Alors Audra Energy visiblement. Ouh là là, les pneus qui volent partout là. On y va très prudemment. C'est la meilleure manière pour apprendre un circuit, c'est d'y aller prudemment. Donc dans la ligne droite, il est. Oh là. Alors il s'est passé quelque chose. Oh la panne d'essence! Panne d'essence pour Drudrou! Panne d'essence pour Drudrou avec sa Nissan! Oh là 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 là! Terrible, terrible erreur! Terrible erreur qu'a fait Drudrou! Aïe 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 aïe, c'est terminé! C'est terminé pour la Nissan GTR de Drudrou! Qui a arrêté sur le bord de la piste dans le virage 2! Ah là 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 là, terrible, terrible ce qui arrive à Drudrou, le manque de chance. Eh ben souvenez-vous, il y a 2 semaines, c'était Narcos qui avait été victime d'une panne d'essence. Eh ben cette semaine, c'est Drudrou. Ah, quel dommage. Aïe 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 aïe. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Et oui, c'est bien la panne sèche donc pour Drudrou qui. Et oui, c'est pas son week-end, effectivement, Alex. Week-end difficile pour Drudrou. Et donc, visiblement, une malédiction donc, de la Nismo GTR LM qui a l'air de se poursuivre, donc même en jeu vidéo. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette voiture a l'air maudite. Oh là, attention, Rapace là qui. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il fait un peu de drift, là, tout d'un coup.
n'est pas si loin, hein, Rapace. Hein. La première place n'est pas encore assurée, alors qu'on vient de franchir la mi-course. Et donc c'est fini pour Drodro. Effectivement, on officialise donc l'abandon. Voilà. C'était quoi ce bruit? Il me semble avoir entendu taper un mur. Non. Bon, ce soit un pneu qui était touché une voiture. Ce qui est possible aussi. Hein. Bon, vu l'amas de pneus qu'il y a notamment à la sortie de la forêt là. Marcos 85 en tête, le Rapace 69 deuxième, AXD 06 troisième, on va aller voir où il se situe. Ah oui, il est de l'autre côté du circuit, donc il y a quand même un sacré écart qui s'est creusé entre le deuxième et le troisième. Quatrième, Lion H, qui est un peu plus loin derrière aussi. Et Green Tag 06 en cinquième position. Et sixième donc Osra Energy qui du coup a grappillé une place suite à l'abandon de Drodro malheureusement. Oh là, attention. Oh là, il sort encore là, Osra Energy qui est toujours bon en apprentissage. Et on salue Cobra Kyo qui nous rejoint. Salut à toi, bienvenue. J'assiste, tout comme vous, les amis viewers et abonnés, vous assistez en ce moment, pour rappel pour ceux qui nous rejoignent, tout d'abord bonsoir à vous. Vous assistez à la deuxième manche du championnat WEC, le championnat de prototype d'endurance de CBNJX TV Super Racing Weekends. Attention, le Rapace qui est sorti un poil trop large dans le carrousel. Eh oui. Ouais, c'est chaud en tout cas. Attention! Attention! J'ai eu très peur là. Oh là là, j'ai eu très peur et Osra Energy qui est parti dans le mur là. Pendant ce temps. Oh là 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 là, j'ai eu très peur. Franchement là. Très peur de l'accident entre les deux hommes là. Et pour répondre à ta question, JB78 Monster Vettel, oui, il est toujours possible de participer au BNJX TV Super Racing Weekends. Pour cela, je vais te passer dans l'immédiat, bien évidemment, eh bien, le lien qui permet de t'inscrire si tu as Facebook. Le voici. Le lien Facebook pour participer et s'inscrire. Et si tu n'as pas Facebook, mon cher JB78 Monster Vettel, tu peux toujours me contacter par message privé via Twitch dans un premier temps et puis ensuite via le Xbox Live pour participer et en sachant que si on participe et on s'inscrit, qu'on essaie quand même d'être régulièrement là aux courses parce que je vais me permettre une petite réflexion vite fait, c'est qu'on a des personnes qui se sont inscrites pour participer à ces courses et qu'on n'a pour l'instant encore jamais vu. Il y a deux pseudos qui me viennent comme ça en tête, mais pour préserver une certaine vie privée, on ne dévoilera pas leur identité. Attention, Rapace qui sort encore. Oh là là, mais décidément, il est maudit dans ce long droit du carrousel qui est décidément très piégeux. Toujours Narcos en tête, deuxième Rapace, troisième AXD, quatrième Lion H, cinquième Ever, sixième Osra Energy. Alors, mon cher JB Monster Vettel, les courses, on va t'un peu renseigner, hein, et même renseigner également par la même occasion les viewers, les abonnés qui seraient intéressés pour participer. Alors, les courses se font. Ok, à tout à l'heure, Ikritz, pas de soucis. Alors, mon cher JB Monster, je vais te préciser tout ce qu'il faut vite fait. Alors que Rapace repasse par les stands pendant ce temps-là. Rapace repasse par les stands. Attention, ne pas confondre. Attention quand même. Alors qu'on aborde le 19e tour, là.
On est dans le dernier tiers de cette course. Et salut Yodarkefer! Salut à toi! Ça va très bien, je te remercie. Mais je réponds à ta question, donc d'abord JB78 Monster Vettel. C'est que les courses se déroulent tous les 15 jours, le vendredi soir et le samedi soir, avec parfois des grosses courses le samedi soir, type 500 miles Indianapolis ou 20 courses sur le circuit du Mans avec les prototypes. Donc il y a des grandes courses comme ça qui se font de temps en temps le samedi soir, mais sinon, toutes les courses, c'est le vendredi et le samedi soir, tous les 15 jours, que ce soit en 2015 ou en 2016. Pour ce qui est des aides à la conduite, alors je vais te préciser cela tout de suite. Pour l'instant, en tant que c'est CAM, je peux te donner toutes les informations en temps réel. Alors l'ABS, la direction et l'ESP sont laissés au libre choix du joueur. La boîte de vitesse, seulement la boîte auto ou manuelle est autorisée. La boîte manuelle avec embrayage est interdite parce que cela apportait un gain de performance beaucoup trop important par rapport au reste du peloton. Le niveau de dégâts est en simulation et le TCS est laissé au libre choix, sauf en Formule 1, où là il est obligatoire. Ça, c'est pour ce qui est un peu des aides à la conduite, mon cher JB Monster FL. Comme ça, tu es au courant un peu toutes les normes mises en place et au niveau des catégories. Donc, on a les prototypes comme tu les vois ce soir. On a également des voitures de tourisme avec le V8 Supercars et le WTCC, mais également la Formule 1, la Formule électrique, l'IndyCar, les Hypercar Series que vous verrez en deuxième partie de cette soirée ce soir, les Transit Cup qui commenceront dans quelques semaines, et puis également donc le FIA GT, championnat de GT3 et GTE AM ou Pro qui se déroule donc sur Forza 6, en sachant que on a régulièrement donc des ajouts de voitures avec les packs, en fonction des packs DLC, de ce qui est proposé, et que potentiellement une saison 2 serait déjà dans les tuyaux. Pour ces Benji TV Super Racing Games, je vous tiendrai bien évidemment informé durant les prochaines semaines et les prochains mois, surtout avec la progression de cette saison 1 des Benji TV Super Racing Weekends. On refait un point classement vite fait. Narcos 85 en tête, le Rapace 69 toujours deuxième, AXD troisième. Alors, eh ben justement, on va revenir parce que AXD est en bagarre potentiellement avec Rapace, parce que là, ça va nous faire une petite bagarre donc pour la deuxième place. Ça peut être intéressant à suivre. Ça peut être même très intéressant. Oui, merci Droudrou de communiquer publiquement mon gamer tag. Je l'envoie normalement en message privé. Mais bon, voilà, bon, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Donc voilà, on va suivre ici donc AXD06, qui est juste derrière Rapace, qui a l'air d'avoir quelques difficultés avec sa Peugeot. Un duel Audi-Peugeot, ça rappelle un peu les 24 heures du Mans il y a quelques années, entre 2007 et 2011 inclus. Oh là, AXD qui est sorti un peu large là, malheureusement, avant le carrousel. Et pendant ce temps-là, Narcos qui fait un peu le fier dans sa radio en disant qu'il a mis un tour Lion H. Bon, oui. Disons qu'il a le triomphe modeste pour l'instant. Mais il faut dire aussi que Lion H est au stand, ce qui explique aussi cela. Et du coup, Narcos qui est dans le 21e tour et qui est au stand aussi d'ailleurs. Alors je pense qu'en fait, notre ami Rapace qui se retrouve juste devant XD, je pense que c'est dû à un ravitaillement de ce dernier, de ce premier plutôt en l'occurrence, donc Rapace. Et oui, effectivement, il manque Porsche et Toyota pour les prototypes exacts, JB Monster et tel, mais on ne sait jamais. Il y a bien des Toyota qui sont rajoutés sur Project Cars, donc pourquoi pas les voir peut-être un jour sur Forza 6. Et puis les Porsche, moi je dis seulement rendez-vous en 2016 pour le pack Porsche, puisque on sait d'ores et déjà, ça a été annoncé que Porsche serait présent sous forme d'un pack DLC en 2016 sur Forza Motorsport 6, et c'est plutôt une excellente nouvelle qui ravira tous les fans de la marque de Stuttgart. 21e tour, toujours Narcos 85 en tête devant le Rapace 69 AXD06. Vous voyez, pour ceux qui nous rejoignent également, Nissan arrêté sur le bord de la piste, la Nissan de Droudrou qui malheureusement a connu une panne d'essence. Et oui, malheureusement, une situation catastrophique pour lui et une malédiction qui se poursuit pour cette voiture. Et donc du coup, ben, on va se retrouver avec cette
partant et on a 6 pilotes actuellement. Et JB Monster Battle Projectors aussi sur One. Ah bah écoute, c'est pas mal, c'est très riche en tout cas. C'est bien, ça fait plaisir. Oh mais quel commentaire de qualité. Oh là là, n'exagérons rien, JB Monster Battle. N'exagérons rien, surtout. Je fais ça à mon humble niveau et comme je le peux. En tout cas. Mais ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça positifs de votre part. Ça fait franchement super plaisir. Alors qu'on va aborder le 22e tour là. J'ai un petit peu anticipé. J'ai un petit peu anticipé sur le décompte de tour. Alex du 91 qui me dit oui, je suis tout seul à commenter, mon cher Alex, puisque notre ami Droudrou a eu un empêchement de dernière minute. Notre ami Lulu, pardon, pas Droudrou, qu'est-ce que je raconte quoi. Non, notre ami Lulu devait commenter à la base avec moi la course, et finalement, bah, il a eu un empêchement de dernière minute, ce qui fait que, ben, malheureusement, donc je retrouve tout seul à commenter. J'essaye de faire ça du mieux que je peux, et pour que vous en profitiez bien, chers amis abonnés et viewers. Et j'espère que ça vous plaît, que le contenu et la course vous plaît, même si pour l'instant on va dire que c'est assez calme, on va dire, hein. Les pilotes sont un petit peu éparpillés un peu partout sur le circuit. Mais bon, ça veut dire que la course est propre, qu'elle se passe bien. Alors, on va peut-être voir derrière le rapace, où est-ce qu'il en est, deuxième position. Eh, il n'est pas si loin que ça. Allez, on va dire qu'il y a quand même une dizaine de secondes hein, entre lui et notre ami. Narcos 85, toujours leader, qui poursuit sur la bonne lancée qu'il avait au circuit des Amériques avant que ce dernier ne tombe en panne d'essence, malheureusement, sur cette première manche. On espère bien évidemment que cette situation ne se reproduira pas, mais logiquement, ça devrait aller, hein, puisqu'il est rentré au stand il n'y a pas très longtemps. Donc ça devrait passer, logiquement, pour Narcos 85, au moins d'un drame absolu et d'une malchance de tous les instants. Mais oui, c'est ça, Cobra Kyo, Nissan a voulu innover, ça s'est retourné contre eux. Puis quelque part, ça a été aussi que Nissan, ça les a calmés un peu parce qu'ils avaient des ambitions un peu trop grandes, puisqu'ils disaient dès leur retour, on est là pour gagner dès la première année. Et bon, au final, ben, on a vu le résultat. Alors, XD, lui, est repassé par les stands, puisqu'il est de l'autre côté du circuit. Et donc, Narcos 85, le leader devant le Rapa 69, 3ème XD, pour te donner le classement, mon cher Romain. 4ème position toujours pour Lion H. Et ça peut jouer 908 dans la ligne droite. Alors que Narcos 85, pendant ce temps, a mis un tour Lion H. Il n'y a plus que 3 pilotes dans le tour du leader. Evergreen Tag 06 est en 5ème position. Et en 6ème position, posera Energy. Et attention, qu'il n'y ait pas de gêne entre les deux hommes. Alors en termes de nombre de pilotes, mon cher JB, pour l'instant on va dire que le maximum de pilotes qu'on ait eu, ça a été 8 pilotes. On a déjà eu une course à 7-8 pilotes maximum, mais il y en a beaucoup plus qui sont inscrits pour l'instant, enfin en tout cas qui se sont inscrits, mais il y en a au moins 2-3 ouais, qui ne se sont toujours pas manifestés sur des courses, ce qui est un petit peu inquiétant tout de même. Donc c'est pour ça que quand je dis que si on veut s'inscrire, bah, il faut être sûr de au moins faire une course, hein, parce que si c'est pour juste s'inscrire et dire ah ben non je ne peux pas ou quoi, ça la fait un peu mal, comme on dit, de manière très triviale. Narcos 85 leader. Oh là, il y a de la fumée là, à mon avis il a dû passer un petit peu sur vitesse, ce virage là, dans la forêt d'Elkert Lake, Road America, où se déroule cette deuxième manche du championnat WEC des Benjix TV Super Racing Weekend, en sachant que la prochaine manche, pour votre information, eh bien elle se fera du côté de Road Atlanta pour une course de 200 km aussi, et ce sera dans très exactement 2 semaines. Alors qu'il reste 7 tours à boucler sur ce magnifique circuit le Road America. Alors, on va faire un petit through the field, mais en caméra on board, c'est ce que je vous propose. Voilà, à bord tout d'abord de l'Audi R8 de Narcos 85, votre leader dans cette course 1 de la soirée, deuxième manche du championnat WEC.
Alors, pour répondre à ta question, JB78, alors que pendant ce temps-là, je vous faisais profiter un peu des différentes motorisations, des différents bruits. Hein, on a pu remarquer la différence entre l'essence de la Audi R8 et sinon tout le reste du peloton étant diesel. Donc, pour une fois qu'une essence domine les diesels, ça peut changer un peu de l'habitude. Sinon, pour répondre à ta question, JB78, bah, la majorité des pilotes sont à la manette. Le volant est autorisé aussi pour le championnat, mais visiblement les pilotes ont préféré jouer à la manette parce que c'est plus adapté pour Forza, même si on peut jouer au volant quand même. Les pilotes ont préféré délaisser le volant pour la manette, mais si tu veux, si tu participes et que tu veux eh bien, jouer au volant, eh bien, c'est totalement possible, mon cher JB. Oui, oui, c'est ça, mon cher Cobracu, c'est bien une GTR LMP. Donc on va aller voir l'Ion H. Qui... Oh là, oh là 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 là, oh le freinage raté là. Freinage raté, l'Ion H, dans le virage numéro 2. Donc on voit très bien la Nissan là, sur la gauche, voilà, qui est arrêté, c'est Drourou. Il nous a fait le coup de la panne, eh ben oui. Même lui peut nous faire le coup de la panne, c'est pour dire. Spécialiste du pneu et des pannes. On va retrouver peut-être Narcos, le leader de la course. J'ai un petit peu encore une fois anticipé le comptage. On va rentrer dans un instant dans le 27e tour. Non, t'inquiète, Drodro, on n'en fera pas plus, t'inquiète. Alors oui, on connaît ce volant-là, JB, effectivement, le volant le moins cher, enfin le volant d'entrée de gamme de chez Thrustmaster pour la Xbox One, sans force feedback, on le connaît. Mais après, bon, ça peut être bien pour ceux qui n'ont pas forcément besoin, envie d'avoir un retour de force, ceux qui veulent juste un volant, bon, bah voilà, quoi, ils peuvent aussi... avec ça. Après, chacun a son avis, hein, ça, il faut être tout à fait honnête. Personnellement, je préfère... avec retour de force, mais bon, ça je peux comprendre que d'autres soient peut-être quelque peu préférables, enfin préfèrent
ne pas la voir, ça c'est tout à chacun, hein, ses habitudes, et ce qu'il faut c'est respecter cela, bien évidemment. Le classement, pour l'instant, bah, ça change toujours pas, hein, ça reste probablement pour l'instant très figé. Narcos 85 toujours leader, deuxième le Rapa 69, troisième AXD06, une Audi, puis on retrouve une autre Peugeot, celle de Lion H 4ème, une Audi, celle d'Evergreen Tag 06, 5ème, et 6ème, Osra Energy avec une autre Peugeot. C'est vrai que le peloton manque un peu de variété dans les véhicules utilisés. Mais bon, ça se rattrapera, je pense, sur la prochaine manche où on espère avoir peut-être d'autres participants et qui reviendront avec les voitures un peu plus habituelles. C'est pas bien de souhaiter du malheur comme ça, mon cher Drodro. C'est pas bien, c'est pas bien. Avec les livrets que t'as eu hier en plus sur ta IndyCar, on pourrait te faire pampan cucu, même. Ça serait peut-être. Enfin bon. Ben, un volant conseillé, oui et non, ça dépend. Si tu es quelqu'un qui adore les simulations du style Project Cars, ou encore les Gran Turismo, les Forza, ou bien même qu'est-ce que je peux citer d'autre, Assetto Corsa aussi, eh ben un volant, ça peut être très intéressant pour l'aspect immersion et réalisme et simulation. Après, si tu recherches pas le réalisme et l'immersion pure, si tu es un joueur plus sur Forza, on va dire, bon, la manette peut suffire. Un volant, ce serait un plus, dirons-nous, juste pour dire, bah voilà, je conduis avec un volant. Mais voilà, c'est tout. Et sinon, la Rébellion, oui, la Rébellion LMP1, la R1 en l'occurrence, qui a couru l'année passée et cette année aux 24 heures du Mans, est présente sur Forza 6, mon cher Cobracchio. Effectivement, pour l'instant, personne n'utilise cette voiture dans ce championnat, mais elle est présente dans le jeu, cette voiture, depuis le pack DLC précédent. Alors que, oh là, oui, Lion H qui va nous faire un nouveau passage par les stands parce qu'il a tapé apparemment. Ah oui, avant gauche endommagé. Ah, si c'est le châssis fait par Oreca jusqu'à 2014, non, alors ce n'est pas ce modèle là, c'est le modèle R1 qui est présent dans le jeu, mon cher Cobracchio. Et salut, oh dada 57, bienvenue à toi sur le live, j'espère que tout va bien. Et Narcos 85, pour l'instant, tout roule pour lui. Il se dirige vers une victoire qui lui semble acquise. Ma foi, restons prudents quand même. On va peut-être regarder justement l'usure de ses pneus. Ouais, on est à 25%. 25% à l'avant et 20% à l'arrière. Ça devrait le faire logiquement pour Narcos, qui se vengera ainsi de sa victoire qu'il a perdue du côté du circuit des Amériques suite à sa panne d'essence. Le Rapa 69, lui, il est toujours en deuxième position. Dans l'autre bout, de l'autre côté de la ligne droite, usure de pneus aux alentours des 30%, donc ça a consommé un peu plus ses pneus pour notre ami Rapace. Troisième, on a AXD qui lui est de l'autre côté du circuit. Donc là, l'écart est fait. Hein. Je pense que là, pour la première et deuxième place, ça va se jouer plus entre Narcos et Rapace, même si, pour honnête, l'écart est quand même assez important. Oula, attention, là, il mordait un petit peu sur l'intérieur. AXD, mais ça va, ça se gère bien pour l'instant. AXD qui est en train de sécuriser sa troisième place tranquillement. Lion H, lui, est toujours quatrième, mais pas très loin de notre ami AXD, mais je suis pas sûr qu'il soit dans le même tour. Par contre, il me semble qu'AXD a un tour d'avance par rapport à Lion H 4ème. Urgen Tag 06 est 5ème, lui pas si loin que ça de Lion H. Puis ensuite Osra Energy, donc 6ème position. Oui, c'est une course entre guillemets endurance, oui, au dada, puisque ce sont les WEC, le championnat WEC des Benjix TV Super Racing Weekend sur Forza 6. Là, donc, c'est des courses avec des LMP1, donc on a fait des courses un peu plus longues. Ici, en l'occurrence, 200 km pour cette course de Road America, la première à Austin, circuit des Amériques, en faisait que 100. C'est des distances qui varient un peu entre 100 et 250 km.
enfin, on a des courses de 100 km, des courses de 200 km, et puis une course de 250 km sur le circuit du Mans, bien évidemment, où les voitures, ces voitures-là sont des reines là-bas, bien entendu. Et donc voilà un petit peu pour te donner le contexte, on va dire, de ce championnat. Et pour l'instant, donc le leader, c'est Narcos 85 à deux tours de l'arrivée déjà. Et oui, de cette course, on a fait, on va faire pratiquement une heure de course, hein, à peu près dans la durée totale de ce rendez-vous. Une course longue, calme, sereine, mais solide de la part de Narcos 85 avec son Audi R8. Un moteur FSI, faut-il le rappeler. Alors que pendant ce temps, là, il y en a H qui nous fait une sortie de piste. Oh là là, la sortie! Oh là là, la méchante sortie de piste! Là, il y en a H qui est sorti. Ah, ça repart. Oh, attention, Narcos qui va arriver! Oh là là, on est passé très très près d'une catastrophe là. Avec le leader qui est arrivé à ce moment-là. Oh là 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 là. Restez prudent jusqu'au bout, restez prudent jusqu'au bout. Se méfier des retardataires. Ah oui, il a endommagé un peu sa voiture, Narcos, il me semble. Et oh là là. Et apparemment. C'est peut-être... Oh là, attention! Oh là là, sortie de piste de Drain Energy, et il y a des pneus de partout, mais c'est pas possible! Et... Alors qu'on va... Oh là! Oh, Narcos qui rentre! Il rentre au stand avant le dernier tour! Oh là 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 là! Il rentre au stand alors qu'il reste encore un tour à boucler! Ouh, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et du coup... Eh oui, Rapace passe en tête. Rapace passe en tête à l'entame du dernier tour. Incroyable scénario. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais cette malchance du carburant, encore une fois. Problème de consommation, donc, pour Narcos. Bon, il a su... Il a su revenir au stand quand même, ça c'est la bonne nouvelle on va dire. Mais là franchement... Oh là 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 là, lui qui allait vers une victoire tranquille jusqu'au bout. Ben là non. La consommation de carburant en a décidé autrement et du coup c'est le Rapace 69 qui est en tête dans le dernier tour de cette course de Road America. Quel retournement de situation quand même sur la fin là, incroyable. Et à quelle malchance surtout de Narcos 85. Bon, malchance à demi mesurée hein, puisqu'il risque de finir à la deuxième position. Ça, faut être honnête. Mais il se dirigeait vers une victoire facile. Et là, franchement, quel dommage. Alors attention, hein, attention de ne pas se faire gêner par les retardataires. Doucement, Rapace, ne pas commettre d'erreur. Ça serait trop bête dans le dernier tour. Bon, attention, là, Osra Energy, là, qui... Zigzag un peu sur la piste, attention. Faire très très attention. Et pour l'instant, oui, il se dirige bien vers un sweep, comme nous dit Alex dans le chat. Oh, attention, le freinage de justesse, là, ça puisse rentrer dedans. Entre Osra Energy et le Rapace. C'était très très chaud. Mais au final, sorti, je vais pas dire de nulle part, parce qu'il a fait une course très très régulière et solide. Eh bien, c'est notre ami le Rapace 69. Qui se dirige vers la ligne d'arrivée et vers la victoire dans cette deuxième manche du championnat WEC. Et voilà, chose faite, victoire. Oh là là, il nous fait encore une arrivée absolument folle. De le Rapace 69, victoire dans cette deuxième manche du championnat WEC. Deuxième position, donc on va retrouver Narcos qui, on va dire, ben, limite les dégâts quelque part malgré ses problèmes de stratégie de carburant. Ah ben lui, il va... Ah ben lui il veut finir en marche arrière, ok. Bon. À chacun sa méthode d'arrivée. On fait dans le... On fait des courses sérieuses mais à la fin on se lâche un petit peu, hein, comme vous le remarquez chers amis viewers. Deuxième position donc pour Narcos 85. AXD06 va finir à la troisième position. Lui aussi il aura fait une course solide, régulière, pas de problème pour lui. Jusqu'au bout.
tranquillement, sereinement, avec son Audi. Et donc, victoire d'une voiture à essence face au reste du peloton qui est en désert, à l'exception, bien sûr, de la Nissan qui a abandonné pour Droudrou, panne sèche pour lui. C'est le seul gros fait de course, on va dire, à ce niveau-là, à signaler. Mais sinon, donc, c'est bien une essence qui s'impose devant le reste du peloton qui était en diesel, avec Narcos 85 vainqueur devant, avec son Audi R8. Deuxième, la Peugeot 908 de l'Europa 69. Troisième, AXD06 et son Audi R18 e-tron Quattro. Et Ever qui veut finir quatrième. Et qui a fini quatrième d'ailleurs. Il est passé en quatrième position, et oui, Ever, sur la fin. Incroyable. Et puis ensuite, 5e Lion H et 6e Osra Energy. C'est donc ainsi que se termine cette course de WEC. Deuxième manche sur ce circuit Road America.